Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle pour la suite de notre live construction consacré à un set LEGO Legends of Shima sorti en 2013. Il s'agit de la référence 110 010, le Temple Lion, donc le plus gros set de l'année 2013 pour Legends of Shima, donc ça ressemble à ça. Et donc première partie, on a construit les figurines ainsi que les 4 véhicules, et seconde partie, on a construit eh bien, toute la base du Temple Lion que vous pouvez voir à ce niveau-là. Et donc maintenant, on va passer à la troisième partie où on va ouvrir notre session numéro 6. Donc, j'ouvre ça, voilà, comme ceci, bien comme il faut. J'étale bien mon sachet partout. Alors, par contre, 6, c'est celui-là, parce que c'est un 9, donc pas confondre les deux. Heureusement, Lego est là, ils ont mis un petit point pour qu'on se repère facilement en Lego. Et d'ailleurs, aussi, pièce restante pour le sachet numéro 5, je voulais le montrer à la fin de la vidéo précédente, c'est ça, donc rien d'utile, hein, pas peut-être une dent qui peut être utile pour certaines personnes, mais mis à part ça, voilà. Donc, hop, deux petites pièces. Donc, je pense que c'est un sachet qui est plutôt bien rempli. Donc, visiblement, cette partie-là, je pense, faire les sachets numéro 6 et 7. Après, on verra. Hein, mais bon, je pense faire ça. Voilà, allez, oust, 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 partez tous. Donc, on a notre temple, on a nos pièces. Étape 53, on commence. On va commencer avec quoi d'ailleurs? On va commencer avec une belle pièce bleue transparente, comme on peut voir. Une grande sorte de demi-cube. Voilà. Donc ça, on va caser eh bien, sur les côtés. Et donc, d'ailleurs, ça sera directement lié, comme vous pouvez le voir, aux pièces qu'on a en dessous au niveau de la cascade, hein, nos 2 x 2 circulaires. On casse ça aussi à ce niveau-là. Voilà. Et maintenant, on va peut-être commencer à bosser sur l'intérieur. À l'aide de pièces 1 x 4, donc qui vont suivre nos pièces cubes. Donc des 1 x 4 bleues transparentes. Ne pas oublier en bonus des petites pièces dorées, donc enfin, une pièce dorée surtout qui va venir se caser à ce niveau-là, visiblement, donc sur la barre qu'on a ici. Et on va commencer sur la barre à l'aide d'une 2 x 2 pentue inversée, donc à ce niveau-là. On est en train de se rapprocher la caméra sur cette zone-là, comme ceci. Voilà, parce qu'on travaille là-dessus, visiblement, on passe sur la partie à l'avant. Donc autant en profiter pour recadrer un peu la caméra. Ensuite, on va prendre une 2 x 6, visiblement marron. Alors, il faut que je la trouve, elle est là. Qu'on va caser, qui va faire en fait le pont entre cette partie-là et la partie à l'intérieur. Donc, comme ceci. Ok, voilà. Ensuite, on va prendre des pièces piliers. Bon, une qui va se mettre à ce niveau-là, et l'autre ira aussi, bien sûr, de l'autre côté, ici. Des petites pièces bleu trans maintenant, des cylindriques, une fois une. Donc, comme ceci, x4, qu'on va caser à ce niveau-là, au niveau des cuves. Donc, sur un peu sur les extrémités, entre guillemets. Donc, il me faut juste la seconde. Maintenant, on va tout se passer au plus gros avec des bonnes grosses arches. Donc, comme ceci d'abord, donc la grosse qui fera le lien entre les deux côtés, si je place ça comme ça. Et enfin, des plus petites. Beaucoup plus petites, hein, des 2 x 4, qui feront lien maintenant sur les, bah, sur les parties latérales, plutôt. Ici et là. Et donc les deux arches, comme vous avez pu le voir, en fait, sont maintenues grâce aux pièces qu'on vient juste de caser. Donc petites 1 x 1 circulaire bleu trans. On va continuer avec les arches, excusez-moi. On va regarder ensemble, hein, en mettant donc arche sur arche. Voilà, donc comme ça. Des petites briques viennent donc se mettre ici, ainsi que des petites 1 x 1 marron qu'on va retrouver à ce niveau-là. Donc dans la continuité, comme ceci. Hop là. Ensuite, eh bien, on va caser cette pièce-là. Alors par contre, il faut, ouais, voilà, trouver la petite 1 x 1, qui est des fois un peu, qui se planque un peu des fois facilement. Puis ensuite, on va commencer à caser une pièce archée 1 x 4 à ce niveau-là. Voilà, donc là on a fait nos deux, on a bien bossé là-dessus. On va finir ça visiblement à l'aide d'une autre grosse pièce archée qui a sur nos piliers. Donc, comme vous pouvez le voir, on a une belle petite salle du trône maintenant, vraiment qui a pris un peu d'importance parce que c'est juste un simple trône et puis chez la maintenant on a vraiment quand même les structures sur les côtés, les belles arches voûtées et tout, donc ça rend plutôt bien. Autre grosse pièce, les escaliers tout faits, hein, donc là on n'est plus dans l'escalier qu'on va faire brique par brique et plaque par plaque. Hein. Et ça on va le caser visiblement
Ici, bah, du marron, hein, visiblement, vers la pièce archée. Donc, le petit oignon qu'on a à ce niveau-là, voilà, pile poil. Donc, on a ça ici. Et maintenant, bah, forcément, on va relier un peu mieux donc, notre escalier à la partie supérieure à l'aide d'abord d'une pièce 2 x 3 qu'on va mettre ici, donc qui fera le lien avec le reste. Et ensuite, une petite pièce 1 x 2, hein, si tu as des tiges, ouais, 1 x 2 grise qui va se mettre à ce niveau-là, donc qui sera en fait à niveau avec notre brique-brique ici. Donc on va être à niveau, les tenons sont bien en place. Ok, maintenant on va bosser sur l'arche en elle-même. Donc on va commencer à travailler. Bah, visiblement, qu'est-ce qui s'est passé là? Oh, alors visiblement, il ne fallait pas que je case une petite pièce 1 x 1 là. Excusez-moi, j'ai fait ça par instinct de symétrie. Visiblement, nope. Je pensais qu'effectivement, on aurait deux escaliers sur les deux côtés, mais on a visiblement qu'un seul escalier d'un seul côté. Et donc, bah, de l'autre côté, qui sont cas, on a une seconde pièce brique-brique, hein, comme ceci. Donc, on mettra à ce niveau-là, à l'arrière. Vous ne pouvez pas non plus trop voir, excusez-moi. Et puis, ouais, effectivement, là, on est au même niveau, bah, des deux côtés. Et donc, on va mettre maintenant au même niveau que nos arches, qui sont quand même encore un niveau encore au-dessus. On fait ça à l'aide de pièces 2 x 4, donc assez simplement. Donc, on va en caser 4, hein. Deux ici et forcément deux de l'autre côté. Maintenant qu'on a ça, on peut travailler donc sur notre structure ici. On va d'abord mettre des plaques donc pour avoir une sorte de base bien uniforme et aussi qui nous permettra d'accrocher différentes choses. Hop là. Des 2 x 8. Et même des 1 x 8 lisses. Gris foncé, comme on peut le voir. Ou pas d'ailleurs, parce que je construis assez rapidement. Hein. Enfin, je constate, c'est pas vraiment que je constate assez rapidement, c'est surtout qu'au final on commence à vraiment à s'élever là, donc on pense vraiment à prendre de la hauteur. Et c'est vrai que pour la caméra, c'est dur de suivre. Alors, on va peut-être pouvoir caser, on va tenter des trucs avec d'autres jeux encore. Je sais pas du tout si ce sera. Voilà, là on est bon, hein, je pense. Hein. Donc voilà, là on est. Première fois que je la mets aussi haut, je crois. Hein. Mais bon, je pense que ce serait utile pour bien comprendre comment ça fonctionne. Donc. Ça c'est bouclé, ok, donc on a mis comme port au milieu des petites pièces 1 x 4 avec deux tenons sur les côtés. Maintenant on va prendre donc des jolies pièces, donc piliers mais en bleu trans, donc ça fait comme des cascades de chi forcément, qu'on va caser à ce niveau-là. Donc directement sur nos pièces cuves casées en tout début donc de sachet, d'ouverture de sachet. Donc ça ici maintenant sur les côtés on va travailler à l'aide de petites pièces 1 x 2 avec un tenon qui est pris par une pièce pentue, comme vous pouvez le voir. Donc ça, on va caser visiblement ici et là. On va aussi faire ça x2, donc sur les deux côtés. Et puis ensuite, on va mettre à niveau à l'aide de petites pièces 1 x 2, toutes transparentes, hein, qu'on a déjà vu par le passé avec les cascades qui se finissaient à ce niveau-là. Vous pouvez pas trop voir, mais bon, c'était un peu l'idée. Donc, hop là, on va recaler ça comme ça. Donc maintenant, nos pièces sont à niveau avec les piliers de chi entre guillemets. Et donc ça nous permet de caser quoi? Et bien de caser encore plus de piliers de chi. Donc comme ceci. Donc on en case maintenant deux comme vous pouvez le voir. Là encore sur les deux côtés. Et quitte à faire sur ouais. Un des pilons caserait une petite pièce pentue 1 x 1 transparente. Toute transparente, on casera à ce niveau-là. Idem d'ailleurs de l'autre côté. D'ailleurs, ce sera symétrique, hein, ce sera pas au même niveau comme pour les deux petites pièces transparentes là. Et puis enfin, on va recaser, donc là par contre, la caméra pleure, je crois, on recase à nouveau des piliers. En fait, ça ne servait à rien du tout parce qu'au final, on va construire là-dessus, je crois, non? Je sais pas comment ça va se passer. Par contre, juste ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'effectivement, on va peut-être mettre ça de côté parce qu'on va faire maintenant une sorte de mini-structure. Alors par contre, comment je fais? Comment je me débrouille avec ce truc là? Ouais, c'est pas tout casse. Ouais, voilà, c'est bon. Là, c'est vraiment bien au niveau du sol. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on aura une plaque, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est très intéressant pour ça là-dessus, comme ça. On va caser ensuite une 2 x 6, comme ceci. Alors, par contre, est-ce qu'on voit bien ou pas? Parce que j'aimerais bien qu'on. Voilà, là, on devrait. Et le bruit de la tondeuse en fond, toujours agréable, à l'oreille, bien évidemment. Aux oreilles même j'ai envie de dire parce qu'on en a deux enfin à moins d'un accident mais on en a deux donc ensuite des briques briques qu'on va mettre à ce niveau là sur les côtés d'ailleurs on va faire l'angle avec ces briques là comme ceci hein, comme vous pouvez le voir ensuite sur les côtés
On casera des petites pièces une fois une, enfin sur les côtés, à l'arrière plutôt, on casera des petites pièces une fois une dorées. Ensuite, on casera des piliers, donc à nouveau des piliers, mais cette fois-ci pas des piliers de chi, donc ne vous inquiétez pas. Donc à ce niveau-là, et d'ailleurs à l'avant des piliers de chi, on casera une petite pièce une fois deux jaune orangé, voilà. Et d'ailleurs, jaune orangé qu'on retrouvera à ce niveau-là à l'avant avec cette pièce-là, une fois quatre. Elle est partie remplie et partie vide, et la partie une fois deux à l'arrière servait à quoi? Eh bien, servait à nous servir de base en fait, pour me caser une petite tasse transparente à ce niveau-là. Donc, je ne sais pas que les lions buvent dans des tasses comme ceci, mais visiblement, oui, c'est ce qu'ils font, donc c'est très bien. Et visiblement, il y a quelque chose. Ewald ne sera pas la seule chose, enfin, le seul élément à venir de la citadelle aigle, donc je n'en dis pas plus. Maintenant, on va aussi couvrir. Ça sur les mettre des une fois deux sur les côtés, hop, et quitte à faire aussi des une fois une plus accroche clip femelle. Excusez-moi, donc comme ceci. Par contre, j'arrête pas de me construire comme ça, alors, il faut que je mette vraiment à ce niveau-là, quoi. Donc voilà ce qu'on a. Maintenant, le fun commence parce que d'un côté, il y aura quoi? Il y aura une espèce de clé, visiblement, j'ai plus le nom exact. À l'avant, il y aura, on retrouvera donc le petit manche plus la petite flamèche qu'on a déjà construit donc à l'avant du pont, oui du pont des escaliers hein, sur le temple. Et enfin, ici on casera donc une grosse clé. C'est la première fois que j'ai cette espèce de clé là. Donc ça ne doit pas être nouveau, hein, pas du tout d'être un peu avec Harry Potter peut-être, je pense. Et c'est pour moi, c'est la première fois que j'ai cette espèce de bonne grosse clé à l'ancienne. Et donc la grosse clé à l'ancienne, elle va se caser donc pas forcément sur l'autre accroche. Donc ici, donc on a nos trois choses, quatre en comptant la petite tasse en plus. Maintenant, à l'avant, on casera donc des pièces pentues comme ceci. Voilà, donc des bonnes grosses arches. Et des plus petites, excusez-moi, je sais pas pourquoi, j'ai eu un moment d'attention, un gros moment de pause. Donc on a ça, donc voilà ce qu'on a, donc maintenant, ça, ok, pourquoi pas. Et on va reprendre une seconde grosse plaque, on va casser donc des deux fois une à l'avant, donc deux fois une plus, comme on peut voir, accroche comme ceci, hein, voilà. On va retrouver nos briques-briques qu'on aime avec amour, hein, avec tendresse, d'ailleurs c'est la dernière fois qu'on les verra aussi. Dans ce sachet-là, tout du moins. Dès une fois une, dès une fois quatre, et une fois quatre, comme ceci, à ce niveau-là. Donc on a ça qui est fait, c'est cool. Maintenant, on casera des pièces comme ceci qui serviront de fanion. Normalement, on va mettre des stickers hein, dessus, je tiens à préciser. Voilà. C'est vrai qu'effectivement, on a vu assez peu de stickers sur le château en lui-même pour l'instant, enfin le temple plutôt. Des petites pièces pentues une fois deux. D'ailleurs, effectivement, ça on va le caser ici. Donc, on va reprendre notre élément qu'on venait de concevoir juste avant. Donc, ceci, enfin, notre structure plutôt. Donc, comme on peut voir, on a vraiment une sorte de petite estrade, j'ai envie de dire. Hein. Oh, et visiblement, là on bourrine à fond. Parce qu'on va prendre une fois six, puis une fois 4, pentue inversée, une fois 2, fois 2 d'ailleurs, en même fois 4. Au milieu, on casera des petites pièces, une fois 2, mouche, comme ceci, puis des pièces pentues ici et là. Enfin, des pièces dorées. Des pics maintenant dorés, j'ai vu des blancs pas mal de fois, mais là c'est des pics en doré, incroyable, comme ceci. Et donc ça, bah, on fait x2. On fait x2. Donc passé la surprise du départ, eh bien on va faire ça x2 tel quel, comme ceci. Je vais y arriver. Là. Et là. Comme cela. Voilà. Comme ceci.
Et donc ensuite, je mets ça à ce niveau-là. Donc remarquez bien. Puis ensuite, je vais mettre les autres à l'arrière. Et donc comme vous pouvez le voir, les pièces en diagonale au-dessus, là, ne sont pas dans le même sens. Hein. Voilà. Donc comme ceci. Donc ensuite, je relie les deux à l'aide de pièces comme ceci. Donc on parle d'espèces de grandes pièces de carlingue. On va mettre à ce niveau-là. Donc on fait le pont entre les deux parties. Et puis ensuite, là, comme vous pouvez voir, j'ai des tenons ici et là. Et donc ça, je m'en sers pour caser donc des pièces comme ceci. Et comme cela. Et je fais ça bien sûr des deux côtés. Donc ça rappellera un peu ce qu'on avait juste devant le trône, mais en version un peu plus ouverte, écartée, hein, parce qu'effectivement, on retrouvera aussi les petites pièces qu'on mettra au-dessus. Donc les petites pièces pointues, une fois deux, en longueur. Voilà. Puis ensuite, eh bien, c'est tout pour ça, visiblement, parce qu'il me reste encore des pièces, mais Lego me dit, les pièces, on s'en fiche. Toi, ce que tu fais, ce qu'on te demande de faire, attention, casser, eh bien, c'est prendre ça, et ça, le caser, donc, à ce niveau-là. Donc, comme on peut voir, on accrochera ça juste sur les 1, 2, 3, 4 tenons. Donc, on peut clairement on peut l'enlever facilement. Donc, on met ça comme ceci, voilà. Donc, par contre, c'est fou. Ok, donc, le sachet numéro, le mode d'emploi numéro 2 est enfin bouclé. Il est quand même assez large, hein, comme vous avez pu le voir. Maintenant, et bien on va continuer en prenant donc une pièce, donc là comme ceci, sur laquelle on cadrera simplement donc des grandes pièces comme par courbées comme ceci, mais en bleu trans, donc là encore du chi, toujours du chi. Donc on va mettre à ce niveau-là, donc on fait ça x4 hein, comme vous pouvez le voir. Oula, faut mettre vraiment un peu appuyer dessus pour que ça passe. Voilà, comme ceci. Et donc ensuite, ça, on va caser bah, à ce niveau-là. On avait pile une sorte, on ne peut pas non plus trop voir et souligner. Allez, hop, là, un cadeau. Vous avez une espèce de grande raie, quoi, une espèce de grande ligne comme ceci, vide. Et donc forcément, c'est pile poil fait pour faire passer eh bien, cette partie-là. Qui, bien évidemment, va aussi se raccrocher, donc comme vous pouvez voir, sur les piliers sur les côtés. Donc comme ceci, voilà. Donc ça, c'est bouclé. Et puis ensuite, on prend cette partie de la météorite, la partie basse, comme par qui les accroche à ce niveau. Dedans, il y a un tenon. Dessus, on casera le fameux cristal de chi doré. Donc, ça fait sens, c'est que dont je parlais tout à l'heure. Parce qu'effectivement, le cristal de chi doré était normalement exclusif à la citadelle Aigle, tout comme Ewald. Et bien maintenant, vous l'aurez aussi, vous aurez les deux en même temps dans donc, le château, enfin le temple Lyon. Donc ça, je le case comme ceci, voilà, la partie supérieure de la météorite, hein, qui est bien sûr recolorée en bleu trans pour faire comme le chi. Et donc ça, je le mets à ce niveau-là. Et donc, le sachet numéro 6 est bouclé. Voilà. Donc maintenant, on va quand même un peu redescendre. Et d'une, parce que voir ma tronche n'est pas super intéressant. Et deux aussi, parce qu'on va continuer maintenant, c'est la partie à faire, qu'on a quand même laissé un peu en vrac, qu'on a laissé comme ça, on l'a laissé toute seule, elle était quand même... Elle commence à s'inquiéter, genre, est-ce qu'ils m'ont abandonné au bord de la route? Est-ce qu'ils vont me retrouver? Oui, ne t'inquiète pas, nous serons là. Alors par contre, un truc qui me gêne un peu là, c'est que je me rends compte que dans les pièces qui me restent, il me reste une pièce rouge. Alors, il me reste ça, des pointes et flamèches, mais il me reste aussi et surtout ça, quoi. Donc je ne sais pas où j'ai loupé de la mettre, celle-ci. Pas du tout d'ailleurs. Et c'est une clé. Plutôt cool hein, quand même, ça c'est intéressant de noter. Alors ouais, la pièce rouge, où est-ce que c'était ça? Ah donc la révision c'était juste, ok, juste en dessous en fait. Alors bien oui, bien sûr, maintenant ça, je pense, pourrait améliorer les accroches hein, pour que la plaque s'accroche bien au niveau de la pièce blanche qu'on avait à ce niveau là comme ceci. Voilà, donc voilà. Ok, donc on a ça, c'est cool. Il y a une tonne de sachets dans tous les sens, c'est assez infâme, je tiens à le préciser. Mes petits muscles faibles, voilà, merci comme ceci.
Et donc maintenant, on va faire l'avant, mais vraiment pas tout l'avant, mais une grosse partie de l'avant, Claire. Je n'en dis pas plus, mais je pense que vous savez peut-être de quoi je parle. Donc, on va commencer à nouveau avec les piliers, parce qu'on les aime bien, nos petits piliers, notre temple. On va mettre ça comme ceci, à ce niveau-là. Voilà, on va se mettre ici pour qu'on voit bien. Et ensuite, on va continuer un peu à mettre de la hauteur à l'ensemble, à l'aide de pièces comme ceci. Et à l'arrière, il ne faudrait pas non plus oublier de mettre un assemblage de trois briques, une fois une, marron. Donc un assemblage comme ceci, qu'on va caser, bah, hop, à ce niveau-là. Comme ça, on est à niveau avec notre pièce pentue. On fait ça, bien évidemment, des deux côtés. Donc il faut que je la trouve, la seconde, mes pièces marron, une fois une. Comme ceci, et la pièce pentue viendra se mettre à ce niveau-là. Étape 111 terminée. La 112 maintenant me demande de faire à nouveau un assemblage de deux pièces, mais c'est aussi des deux fois une et des jaunes orangés qu'on casera ici. Donc maintenant on est bien niveau avec ce pilier-là. Avec ce pilier d'ailleurs, il y a un autre qui viendra juste se caser à l'avant. Lui aussi en marron. Donc attention à ne pas se faire tout tomber. Comme ceci. Voilà. Donc ce qu'on a. Ensuite, on va faire un mini-assemblage qu'on fera sûrement en symétrique. Hein, je vous prends tout de suite. Donc grosso modo, ça consiste à prendre une 2x3. Donc vraiment, on le fait à part, mais là, je vais faire attendre devant la caméra. Donc une 2x3. Puis ensuite, on prendra donc une. 2 fois 2 jaunes orangés, puis une 2 fois 1, enfin 2 fois 1, plutôt 2 fois 1 aussi, avec des. Là encore, ça, cette partie-là, comme on voit avec les deux trous circulaires, elle est alignée avec les deux autres pièces similaires qu'on avait casées juste avant, qui sont ici et derrière, en dessous. Voilà. À l'avant, par contre, on casera une grande pièce comme ceci, donc qui est la même que celle qu'on a casée pour nos pièces de chi au-dessus de la tour, entre guillemets. Et puis enfin, ça se case à ce niveau-là, donc avec tout le monde au-dessus et sur les côtés. Bien sûr, comme j'ai précisé tout à l'heure, on fait ça fois 2. Hop, hop, et hop. Voilà. Et on n'oublie pas cette pièce-là. Ensuite, on prend des grosses pièces, comme ici derrière, donc c'est des pièces en vert foncé à nouveau, hein, même pas. Hein. Presque aussi. Non, c'est pas du vert foncé, ça c'est bon. Est-ce que je raconte du vert foncé, que c'est pas du vert tout à l'heure? On dirait une sorte de marron un peu. Ouais, bon, écoutez, je suis un peu moisi des yeux, je crois bien. Hein. Bref, cette pièce-là, on met normalement deux stickers dessus. Hein. Un ici, deux stickers, et un sur la tranche. Ouais, ici. Donc ça, on va le caser. Ah bah, comme vous pouvez voir, j'ai pas marqué, effectivement. Avant, on a casé ça ici, et donc avec ça au-dessus, ça fait pile nos accroches pour mettre ça en avant. Bizarre, hein, j'avais même pas. Hein. Je ne savais même pas qu'on a casé des pièces comme ceci, donc avec tout le monde à l'avant auparavant. Donc, oui, effectivement, c'est vrai que j'arrête pas de dire vert foncé tout à l'heure, mais ça se trouve, c'est du marron foncé en fait pour ces pièces-là. Là. Enfin, ouais, non. Je nage totalement. C'est pas la luminosité de ma chambre un peu pérave qui va vous aider à voir un peu de quoi je parle. Est-ce qu'on est mieux là? Ouais. Ah putain, non, on est pas mieux, on est à chaque fois, on rencontre le jour quoi. Là, on voit plus rien par contre. Bref. Donc, ok. Je vais y arriver. Je vais y arriver, mais avant, il faut qu'on déplace ça. En effet, on est reparti pour une mini-structure. Ce truc va se péter la gueule dans une vidéo, je suis sûr. Voilà, comme ça. Bien tranquille, bien posé. On part d'une base. La base, c'est une plaque, une 6x6, comme vous pouvez le voir. Ensuite, on casera des une fois deux avec deux trous circulaires. Hein. Une espèce dont je vous rabâche les oreilles de tout à l'heure. Une 2x3 marron au milieu, suivie de pièces une fois quatre jaunes, orangées. Puis, d'une pièce 1x4 archée, puis une pièce voilà, qui est vraiment en jaune, hein, pas jaune orangé du tout,
avec des tenons à l'avant, comme vous pouvez le voir, une 1x4. Des pièces beige, c'est la fête, là. On sort les couleurs dans tous les sens. Donc ces pièces beige-là avec des parties un peu circulaires sur les côtés. Puis ensuite, on va lier un peu tout ça à l'aide de pièces 1x6 ici et au-dessus. Et bien sûr, des deux côtés, donc comme cela, comme vous pouvez le voir. Hein. Hop là, alors est-ce qu'on est bien ou pas? Voilà, comme ceci. Maintenant, on va casser une grosse 2x4 au milieu. Ensuite, on va casser des petites pièces archées, visiblement sur les cotons qui vont, on peut pendre dans le vide. Comme cela. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ici, on va caser des pièces 2x2 plus tenon à l'avant, comme ceci. Juste pour trouver l'autre. Voilà. Entre-temps, ça, on va le réunir à l'aide d'une 1x6. Maintenant qu'on a la petite brique, la grosse brique au milieu, j'ai envie de dire même. Une pièce pointue, 2x1 horizontale, va venir se caser à ce niveau-là. Voilà. Puis une un peu plus grosse, mais toujours aussi pointue. Et une 2x cette fois-ci. Elle va se caser, non pas ici, parce qu'avant, il faut déjà que je case une 1x4 pour boucher donc mon trou, créé par les briques grises avec tenon à l'avant. La pièce pointue dont je parlais tout à l'heure. Et enfin, des pièces lisses, 2x2. Comme ceci. Voilà. Ensuite, la 2x2, une 1x4. Comme ceci. Donc on a un assemblage de 2x4 en clair, hein, grosso modo. Puis sur les côtés, des pièces archées, jaune-orangé, certes, mais aussi, attention, des beiges. Donc comme ceci. Ici, et aussi d'ailleurs des pièces à nouveau jaune-orangé, mais à l'arrière cette fois-ci. Et toujours des archées 1x2. Ensuite, on va prendre une 1x2 avec comme par une petite pièce partie rainure à l'avant. Sur les côtés, on va caser des pièces 1x1 pentues. Et on fera d'ailleurs pareil de l'autre côté, entre guillemets, enfin, à ce niveau-là, quoi, et dans une autre direction. Et donc ça devrait, je pense, nous faire notre... Ouais, effectivement. On prend ça. Et puis ça, on case ici. Et comme vous pouvez le voir, les parties archées vont pile poil s'aligner avec ma pièce pentue ici. Ça rend quand même assez bien. Et donc ça, bah, vous reconnaissez peut-être la forme. Hein. Toute façon, on va continuer à construire dessus. Donc vous avez le temps de voir un peu ce que c'est. On prend une 1x4 avec des trous circulaires techniques. Des micro-mirons bleus, des pièces d'interconnexion numérotées, donc là c'est la une, donc avec en fait en clair une seule accroche dans ce sens, comme ceci. Donc on les met sur les côtés. La petite mouche est gentille, bah oui, je elle va rester ici, donc elle a l'air de ne pas vouloir partir. Oh bah je l'ai fait fuir, tiens. La micro-miron sur les côtés maintenant. Et donc on a casé des pièces transparentes, couleur bleu trans comme le chien. Je crois que le chien, j'en ai jusqu'à là. Hein, ça ture un peu. Donc on prend donc ces pièces-là comme pardon, des pièces bioniques, là, avec des accroches cruciformes, on les accroche ici un peu en biais. On mettant ça à ce niveau-là, on va baisser ça au maximum, mettre ça bien droit, ouais, comme ceci. Parfait là. Voilà, comme ceci. Maintenant, ils vont couvrir un peu de cette partie un peu moche là, et donc ça, on va le faire à l'aide d'une pièce comme ceci, et d'une comme par une pièce charnière avec des accroches mâles. Donc on retourne, enfin d'abord avant de retourner, on case une pièce 2x2 pentue, ensuite, enfin 2x2 lisse, excusez-moi. Ensuite, ça dans ce sens-là, puis la partie charnière femelle va venir se caser ici, comme ceci. Voilà, on accroche ça à ce niveau. Et ensuite, visiblement, on abaisse ça comme ceci. Un peu bizarre, il y a quand même certains trous ici, mais bon, visiblement, c'est ce que nous demande de faire l'ego. On retourne
Mais avant de retourner, il faut qu'on ait une raison pour retourner. La raison pour laquelle on va faire ça, c'est tout simple. C'est parce qu'on va construire donc cette chose-là, qui est une 2x4, plus une 1x6, plus une 1x4, et 6 pièces, 1x1, plus accroche rouge. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Donc je fais ça rapidement dans mon coin. Bien sûr, dessus, on va casser quoi? Ben, on va casser des pics, hein. Des petits pics. Et les plus grands, sinon pour l'instant juste des petits pics. Donc on va mettre à ce niveau-là. Ouais. Comme ceci, parce que ça vient de s'enlever. Donc ouais, mes deux autres petits pics. Difficilement dans l'effort, dans la douleur. Mais on va les sortir, on va les accrocher, ne vous inquiétez pas. Faut juste que je casse ce que je fais à la caméra, ça va être un peu plus utile. Donc, on va quand même essayer de mettre un poil droit, hein. Peut-être pas au millimètre près, mais au moins qu'il n'ait pas des dents toutes dégueulasses, quoi. D'ailleurs, aller chez le dentiste, c'est important, l'hygiène bucco-dentale. Et puis, donc, des grands pics, hein, voilà, qu'on mettra ici, niveau-là. Hop, donc on a ça. Et donc, maintenant, effectivement, on a une raison de retourner ça pour caser ensuite. Donc, ça ici. Voilà. Donc voilà, forcément, j'ai envie de dire, il n'y a plus beaucoup moyen de se tromper sur qu'est-ce qu'on est en train de construire. Mais avant ça, on prend des grandes barres techniques, on casse des pièces circulaires, grises, gris clair, donc avec peu de friction. Et on met ça à ce niveau-là, voilà, comme ceci. Donc on accrocha donc grâce à nos pièces à 2 fois 1 plus 2 trous circulaires. Et donc ensuite, eh bien écoute, un truc que j'avais visiblement pas fait avant, j'ai peut-être oublié de le faire, c'est pas grave, on va faire maintenant. Donc on va reprendre. Excusez-moi. Notre structure. Voilà. Ici, voilà, comme ceci. Et donc déjà avant, ce qu'on devait faire, alors par contre je me demande où on l'a fait ça, parce que j'ai dû louper une étape. Hein. Ok, j'ai carrément loupé une étape, je suis complètement passé à la tête de lion, parce qu'il y a une tête de lion, tout de suite, alors qu'au final, ce que j'aurais dû faire, c'est j'aurais dû prendre cette pièce-là, enfin ces pièces-là, parce qu'il y en a deux, caser ensuite de façon précise et stratégique des petites barres de deux noires, comme cela. Et donc ensuite, eh bien forcément, relier toutes mes pièces 2 fois 1 plus 2 trous circulaires qui sont à l'arrière ensemble. Donc, voilà, je casse ça visiblement ouais, à ce niveau-là. Ah, mais. Bien sûr, forcément, il me saoule. Et plus pour longtemps, voilà, comme ceci. Donc, bon, c'est vrai que je peux essayer de vous montrer ça comme ça. Voilà, voilà ce qu'on fait. On met la barre, en fait. C'est moi, je l'ai mis n'importe comment. Ah, bah oui, j'ai mis n'importe comment. Tu me disais bien aussi qu'il y a un problème. Oh. Parce qu'effectivement, ils n'étaient pas si alignés que ça, quoi. Hein. L'ego, hein, il y a un peu le. Hein, voilà, quoi. Hein. Donc là, ça devrait être bon. Voilà, là, ils sont bien alignés, c'est cool. Donc ça ici. Et donc maintenant, on fait ça une seconde fois pour vraiment solidifier notre sourire. Parce que sinon, le truc bah, peut se péter la tronche, très simplement, j'ai envie de dire. Hein. Bah, ça va être, hop là, ça peut. Hein. Grâce à ça, au final, vraiment, surtout ce qu'on va faire, c'est qu'on va raccrocher la partie supérieure à la partie inférieure qui, elle, est déjà bien en place. Comme vous pouvez voir, la partie inférieure, elle, est raccrochée avec de plein de briques déjà bien mises en position, quoi. Ce qui n'est pas le cas de la partie supérieure qui, elle, ne tient que sur des piliers qui sont un peu mouvants. Voilà. Pour ne pas dire autre chose. Donc, cool. Alors, par contre, le truc me dit. Il me dit, tu poses ça comme ça, c'est ça? Non? Ah oui, visiblement, oui, c'est ça. Hop là. Il y a une charnière, donc ça doit être fait pour, hein, visiblement. Et maintenant, ça, tu le raccroches. Oh, d'accord, ok.
Donc ça, en fait, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe, Oudorkia? Je comprends rien. Ben, attendez, je t'explique, mon petit. Donc, ce qui se passe, en fait, c'est qu'on a donc ça comme power qui, voilà, qui fait vraiment, qui coulisse. Hein. Comme power, on a pile des accroches là qui vont sur les côtés, donc qui nous laissent un espace de 2. Et donc là, pile poil, les piliers font 2 de largeur. Donc, en clair, ça coulisse sans problème. Maintenant, j'ai ça. Cool. J'en fais quoi, ça? Et bien, ça, comme vous pouvez le voir, j'ai une accroche circulaire ici qui va en fait venir s'accrocher où? C'est vectant, c'est là où c'est la question que je me posais. Et bien, ça va venir s'accrocher. Putain, ça. Ça va venir s'accrocher où? Et bien, sur les. Merde. Alors, les trous, là. Ouais, ça. La petite pièce, là. Souvenez-vous, je vous avais dit. On s'en sert pour servir de coulissement, pas que ça part dans tous les sens. Eh bien, on se sert pour ça, certes, mais on va aussi s'en servir donc pour avoir une accroche circulaire. Et logiquement, de base, cette pièce-là déjà coulisse. Donc logiquement, quand je vais accrocher un truc dessus, et quand elle va coulisser, ça va forcément entraîner un mouvement sur la pièce qui lui est raccrochée en clair, cette pièce-là. Donc grosso modo, ce qui se passe, c'est que je vais prendre ça. Je vais accrocher ça donc. Ici. Ok, non, pas ici visiblement, vu qu'il ne veut pas. Ah si, en plus, on peut. Voilà, comme ça. Comme ça. Donc, bah, logiquement, maintenant. Voilà. Ça coulisse. Et comme ça coulisse et que c'est aussi lié à la tête de lion, bah, forcément, il y a un mouvement qui se crée. Donc fermé et on ouvre. Et ça, je m'en souvenais pas du tout, c'est un endroit. Plutôt cool, hein? Plutôt cool, hein? C'est très intéressant, c'est très sympathique comme mécanisme. Je savais pas du tout encore. Bref. Ok, on me dit, tu t'es bien amusé, maintenant tu remontes ça au maximum. Ce que j'ai fait, donc on est dans la loi. Je vais reprendre mes pièces marron très foncé, hein, visiblement. C'est pas du vert, je crois. Et je vais les caser ici et là. Ensuite, je vais caser une pièce archer à l'arrière. Il faudra à nouveau lever la caméra, je pense. Hein. Comme ceci. Ensuite, on va caser des petites pièces une fois deux. Donc ça, on prend son temps là, j'ai envie de dire. Hein. Alors par contre, c'est cool, mais c'est pas à niveau. Et c'est pas à niveau pourquoi? Parce que j'ai oublié de prendre des pièces une fois trois. Donc normalement, on va raccrocher à ce niveau. Voilà. Et donc nos une fois deux viennent se mettre ici, en position. Ensuite, on va prendre des pièces qui n'ont pas du tout marron, qui sont plutôt jaunes et bleues. Donc, c'est des couleurs qui vont très bien avec le reste de notre structure actuelle, hein, qui est grise et marron. Voilà, donc des pièces charnières, hein, comme celles qu'on essaie pour la tête de lion. Donc, on met ça ici. Donc, vraiment, des petites étapes. Hein, des petites étapes où on y va à tâtons. Donc, visiblement, là, c'est pour nous préparer pour un gros truc qui arrive. Et donc, le gros truc qui arrive. On va tester ça comme ça, voilà, pas le mettre. Voilà, donc vous avez une belle tête de profil, enfin de face de lion. On a une barre, c'est cool. Avec ça, on prend donc des pièces, donc des plaques avec un aspect un peu diagonal, voilà. Alors, par contre, ouais, comme ceci. Donc on a ça, cool. Ensuite, on a des 1x4. Qu'on mettra donc sur les côtés, donc ici comme ceci, voilà. Ensuite, on va prendre des pièces comme cela qui vont se mettre un cran, un tenon au-dessus, entre guillemets, donc, comme ceci, choupi, un tenon, j'ai dit. J'ai pas dit un demi-tenon. Voilà, comme ça. Bien sûr, des deux côtés. Ensuite, une fois quatre, donc un nouveau pentu à ce niveau-là. Comme ceci, puis on recasse des pièces comme ça. On va mettre un cran en dessous par rapport à la 1x4, mais au même niveau que nos pièces similaires qu'on a casées juste avant. Donc, comme ceci. Ensuite, on va accrocher l'ensemble à l'aide de pièces 1x3.
Donc comme cela. Ok. Ensuite, on prend une 2x4. On casse dessus des pièces comme ceci, qu'on connaît bien maintenant à force. Hein. Comme ça. Excusez-moi à chaque fois si vous voyez mal. Hein. Je m'excuse vraiment pour ça, mais ça, des fois, c'est un peu compliqué de vraiment vous montrer au mieux, surtout quand il y a une tonne de trucs dans tous les sens, quoi. Bref. Ça, on va le caser ensuite ici. Voilà, comme ceci. Puis, on va relier tout ça à l'aide d'une 1x4 lisse. L'arrière, on retourne. On prend des 2x2 circulaires. Ok, cool. Et donc, ensuite, ces 2x2 circulaires serviront pile pour se caser sur nos pièces charnières. Donc, bonne grosse accroche, un peu une petite accroche derrière les tubes, hein, vraiment comme ceci. Voilà. Ouais, c'est comme ça, hein, c'est comme ça visiblement. Donc, on est bon. Donc, ensuite, à l'arrière, on va prendre une pièce comme ceci. Dedans, on case ça. Et on le met, voilà, comme je vous l'ai dit juste avant, à l'arrière. Et oui, ce bruit de bouche est gratuit, comme ceci. Donc, ici, ici, ici. Voilà. L'enfer à construire en vidéo, et je pense que l'enfer à reviewer ce truc. Je pense que je ne suis pas super impatient de faire une review de ce modèle-là, parce que c'est vraiment la galère à faire. Ensuite, on fait une fois deux grises, des petites pièces clip rouges. On recase une pièce une fois de grise foncée avec des accroches comme ceci. Dessus, on casera des petits cônes lumineux qui sortent de nulle part. Donc comme cela, donc des petits cônes lumineux, des petits cônes transparents, voilà, comme ceci. Hein. Hop là. Des pointes sur les côtés, cool. Voilà. Ici, on casera un petit bras, donc accroche, clip plus accroche. On accroche, on casera une pièce donc, qui normalement sert plutôt de roue, en fait, une sorte de petite roue. Donc je l'enfonce dans le trou de mon petit bras. Je dis bon, j'ai zappé de mettre une pièce, tiens, des pièces. Ouais. On case le second bras ici. Donc j'ai cette espèce de chose. Cool. On fait quoi avec? Je sais pas du tout, visiblement. On va le caser ici, en fait, sur la croche. Et l'ego me dit, bah tu le mets tout droit, et puis bah ouais. Oh, donc visiblement, ça quoi ce truc? En fait, ça, je le pivote comme ceci, donc cool, et ensuite ça, je le mets à ce niveau-là. C'est des lasers secrets, c'est quoi ce truc? Ouais, on censé être une arme secrète quand le truc s'ouvre, je sais pas. Enfin, je regarde derrière la boîte, tiens. Bref, on a ça ici, et donc juste avant qu'on finisse, parce que j'ai l'impression que j'ai oublié une pièce, ça m'arrive. Ah, ok. Oh, ok, d'accord, oui, effectivement. J'ai un peu merdé. C'est que là, comme vous pouvez le voir, j'ai des vieux tenons qui ressortent. Alors, je dois pas avoir des tenons qui ressortent ici. Donc, on va prendre des petites pièces une fois une, beige, lisse. Dans les cases. Oula, ça tient pas trop bien, ça. Hein, c'est bon, attendez. Hop. Ouais, comme ça. Et tu peux arrêter de voler autour de moi quand j'essaie d'accrocher des pièces d'une tête de lion, s'il te plaît, en Lego, ma petite mouche. Mais mouche adorée. Donc voilà, donc c'est quand même déjà un peu mieux. Donc c'est moi pour ceux qui ont gueulé dans l'écran. Ouais, sur qui, attention! T'oublies une pièce, t'oublies une pièce, t'oublies une pièce! Ne vous inquiétez pas, souvent je m'en rends compte. Un peu tard des fois, mais je m'en rends compte. Et donc on a évité l'incident international, et oui. Bref. Ça c'est fait. On va donc passer. On voit plus rien! Mon Dieu! Mais comment tu veux que je fasse ça, quoi? Voilà, comme ça, bref, on est vraiment au maximum derrière, hein. On est vraiment au fond du fond. Non, tu vas tomber, donc comme ça. Donc voilà ce qu'on a construit. Dans cette troisième partie, on a fini donc quand même la tour, c'est pas rien. Et puis on a construit surtout en avant donc la porte. Donc tour, porte, plutôt complet, écoutez. On va se quitter là-dessus. Commentaire, question, une fois de plus, n'hésitez pas à les poser. Et donc on se trouve d'un pour ce qui sera la quatrième et dernière partie de notre live construction consacrée au temple Lyon. Donc bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié, et puis donc on se retrouve donc bah, très prochainement. Mais forcément il y aura le
Oula, aïe, aïe, aïe. Il va attendre le plot avant. Et donc, en attendant, moi, je me referme. Je me referme et je vous dis à plus tard. Allez, salut.